pH. C'est quoi? C'est le potentiel anion hydronium. C'est le potentiel anion hydronium. Avec le pas, c'est pour pas par rapport à 7. Quand il est petit que 7, on dit quoi? Que le milieu, que la solution est acide. Quand il est plus grand que 7, on dit que la solution est basique. Quand il est égal à 7, on dit que la solution est neutre. C'est comme ça. En fait, pH que vous voyez là, c'est quoi? C'est le jugement. C'est un jugement. Regarde ce que ça donne et puis on juge. Vous voyez par exemple, je passe au même. Je prends tout d'abord, je prends d'abord neutre. Neutre, c'est quoi? C'est. Ça veut dire innocent. C'est l'innocent. pH, c'est quoi? C'est le jugement. En 2018, c'est quoi? C'est la paix. C'est pour juger. Je vous dis, c'est pour juger. Dans ceci, dans le N là, dans ça, je trouve anovel. Anovel, ok. D'abord, avant ça, ion pour quoi? Plasmodium. Le plasmodium que introduit dans ceci, dans le Y là, je vois introduit. La façon qu'introduit dans le verre, quand il mord, dans tout ceci, il voit mort. À partir de M, hein. À partir de M, le verre est comme ça, il voit mort. Le passe mort qu'introduit dans le verre, quand il mord, H comme quoi, il mord, quand il mord. Quel est le chemin de fait là? Regardez le N là. N. C'est N là. N là. C'est là la photo 14. 14 c'est quoi? C'est 13 plus 1. A plus 1, c'est M. A plus 1, ça fait A. Donc ceci là c'est quoi? C'est MA qui est là. N là c'est MA. Et c'est le M là. Avec tout ceci, il est plus comme O. M O N D. Oh, et le A là qui est comme un peu. Maintenant, lui il est là, lui il est là comme introduit. Je pourrais prendre seulement le son I que j'entends comme introduit, parce que introduit c'est terminé par I. Mais je suis parti, ouais, en disant quoi? Y là, c'est que la personne est 5. Et 5 c'est quoi? C'est 21 plus 4. 4 plus 21. Ah, plus 4 de la paix, c'est la lettre D. Ah, plus 21 de la paix, c'est la lettre D. Donc, Y, ça va être du. Du avec le son I. Il se prononce. Donc, il n'y a pas de quoi, ça va être du et I, ça va être du. Du comme quoi, introduit. C'est comme ça. L'hydronium que vous voyez c'est quoi? C'est le plasmodium. Donc le pH que le potentiel anion par le plasmodium c'est quoi? C'est le potentiel en quoi? En plasmodium. Donc le jugement pH, c'est le jugement, c'est quoi? C'est pour évaluer c'est pour évaluer la quantité là, la dose du plasmodium. La dose du plasmodium en est simple.